the bag, baby. The cross isn't the only thing you think of it, Carl. Bringing home the big one. Start to begin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer à GTX 20 ou GTX 2O, O2, ce que vous voulez, enfin pourquoi 20, je ne sais pas, j'ai bien que c'est en rapport avec l'eau, même si l'eau c'est H2O et non pas O2. Mais enfin, c'est donc parti. On va jouer à ce jeu qui est sorti sur PlayStation 2 en 2002, si je dis pas de bêtises. Donc on est quand même pas au début de la console de Sony, mais on est quasiment en plein milieu. Et déjà, on peut voir dans l'introduction, et on peut le voir aussi là dans le menu, que l'eau est plutôt bien rendue, même si on se rend compte que c'est quand même assez similaire, hein, à part quelques vagues. En plus, c'est très très bien fait. On va voir du coup ce que donne ce jeu qui apparemment est, je cite, surcoté. Donc qui dit surcoté dit que il a pas eu sous-coté pardon, qui dit que le jeu n'a pas eu le succès escompté. Alors à l'époque on avait Splashdown qui était sorti un petit peu avant, si je dis pas de bêtises, qui avait moyennement marché en termes de vente. En tout cas c'était pas mal, mais sans plus. C'était un jeu qui était correct. On va voir si celui-ci est un petit peu meilleur. Alors, comme on peut le voir ici, si je fais back, on n'a rien. On a un mode événement simple, on a un mode World Tour et Big Wave, donc grosse vague qu'on essaiera après. On va lancer le mode simple. On a un mode combo, un mode trick et un mode race. On va d'abord faire un mode race, comme ça ça nous permettra de nous familiariser avec le maniement de chaque jet ski. Donc on peut régler déjà le son. On a les musiques, l'annonceur, le mode, on a le surround stéréo, on va laisser en stéréo parce que le surround ce n'est pas la sortie que je mets dans les vidéos. Preset, ça c'est quoi? Normal, music up, SFX up, engine up, mode dialogue, bon va être normal hein, de toute façon. Ensuite, au niveau du jeu, on va mettre en kilomètres heure, hein, ça sera mieux. Split screen, on peut choisir s'il est en horizontal ou vertical. On peut mettre le widescreen on et off, mais on joue en 4 tiers donc ça n'a pas d'intérêt. Et au niveau des contrôles, alors, on peut faire des tricks avec toutes les gâchettes. On peut du coup orienter avec l'analogique, mettre les vibrations, la caméra c'est triangle, et tout ce qui est boost c'est le bouton carré. Pas tant de boutons que ça, que je pensais qu'il y aurait un peu plus de choses, mais pas du tout. Par exemple, j'ai l'impression qu'on ne peut pas forcément incurver vers l'avant, vers l'arrière. On va voir, hein, comme c'est le bouton analogue, potentiellement on peut le faire. Alors, on va confirmer. Memory Card, Play Movie. Voilà pour les options qui sont très très basiques. On va commencer directement avec un mode course. En un joueur, on peut jouer à deux. Si vous avez une vie sociale, vous pourrez inviter un ou une amie. Et on va découvrir du coup les personnages. On l'a vu un petit peu dans l'intro. On a Taylor Jordan. On a Kenji Tanaka. Lia Cardozo. On a Vittorio Calabria. Vous allez rire pas longtemps. Vladi Zakharov.
On a Eva del Toro, vient d'Espagne, je pense qu'on l'aurait deviné. On a Kerry Nielsen qui vient de Suède. On a Luc Lamouche, sans commentaire, qui vient de France du coup, qui a 19 ans, et on revient sur Taylor Jordan. Je pense qu'on peut-être on peut débloquer des personnages, à voir. En reste, voilà, ils le disent quand même, complete amateur season avec Taylor Jordan to unlock. Donc il faut qu'on fasse une saison avec Taylor Jordan pour débloquer lui. Pareil, mais avec Luc Lamouche pour débloquer Vittorio Calabria. La même chose avec Karin Nielsen pour Lia Cardozo. Kenji Tanaka pour El Toro to unlock. Et ce que je trouve assez bizarre du coup, bah, c'est que normalement, en général, dans 99,9% des jeux, quand vous choisissez des personnages de gauche à droite, vous allez vers la droite pour choisir. Et bah là, vous vous rendez compte que ça ne sert à rien. Il faut aller vers la gauche, sinon ça ne... Sinon, vous aurez aucun personnage jouable à part Taylor. Donc, on va faire un petit peu tous. Enfin, on va essayer. On va commencer par Eva del Toro. Je ne ferai pas trop de commentaires sur l'habillement, l'accoutrement des persos et leur façon d'être. Qui est ce qui me répulse le plus dans ce style de jeu. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Et on a du coup plusieurs... j'appellerais ça des jet skis. Voilà, je suis désolé. Ça se trouve, ce n'est absolument pas ça. Tant pis. On a le Dark Thorn qui n'est pas débloqué. On a le Tsunami. Alors on peut voir juste le Shape, mais bon, apparemment il y en a 3. Pro Season, Amateur Season. Donc c'est là qu'il n'y aura que 3 trucs à débloquer. Ouais, c'est pas fou en vrai. Et on peut voir évidemment les stats pour le premier. Donc maniabilité correcte, pas beaucoup de vitesse, accélération moyenne et stabilité plutôt élevée. Par contre, on peut changer apparemment les décalcomanies. Mais ça ne marche pas. Alors, en tout cas, j'ai pas dû en débloquer. Et dans les options, abandonnation du jeu. Donc, rien de plus. Allez, c'est parti, pas trop perdre de temps. Et on va commencer par le Slipstream, mais pas Slipstream. En difficulté amateur. On peut choisir du coup les circuits, effectivement. Delta Factor, Hyperion Gorge, Mesotech, Permafrost qui est bloqué. Néotropique Aquatica. On déplaise à. On déplaise aux joueurs de Need for Speed, Metro Onox et Slipstream. On va commencer par faire un qui est un petit peu plus loin, dès le début, histoire de ne pas retomber à chaque fois sur le même circuit. Et on peut choisir la difficulté, donc là on est en amateur et on peut pas changer. Donc ouais, on va prendre ça. C'est parti. Donc il y a pas de tour, ça sera en une fois, on peut le voir le tracé. Et donc c'est parti. Les changements qui sont pas super rapides, je trouve, en tout cas on le... Je l'ai vu au niveau de l'introduction, c'était pas fou. Welcome. We got fun and games. We talking Mesotech, baby. It's time to jungle jam. Hope you got your mosquito repellent. Oh, look, there's Grandma waving at you in the stands. Hang on to your jungle jam, cause next stop is the Valley of the Falls. Yo, who left the faucets on? It's the Jungle Cruise. Watch out for the hippo. Just kidding. Thank you for buying this charted tour, not Mesotech. Hey, whatever floats your boat. Let's race. And you are? Hey, this was all about time. Alors c'est très très drôle. L'introduction, le début là que l'on a ici, c'est très SSX. Vraiment. Et l'écran là que l'on a tout de suite, c'est... Une copier-coller de SSX totalement. Voilà, allez, c'est parti. The Bardi. Alors, je suis toute seule. Pardon. Alors, on peut voir une barre de qui se remplit à droite. Ok, quand on passe à travers les panneaux, enfin, à travers les portiques, voilà. On s'est retrouvé face à l'avant, c'est pas mal. On récupère des points, ok. Donc j'imagine que si j'appuie pour le boost, je vais accélérer, voilà, c'est oui, c'est ça, c'est effectivement ça. Quand on appuie sur le carré, on prend un peu de vitesse. Alors je pense que plus on prend les portiques, plus on va récupérer, voilà, de points d'accélération. Ce qui fait que ça nous oblige un petit peu à prendre les portiques, même si ça n'a pas l'air obligatoire. J'utilise un peu le boost. Oui, ça se réduit au fur et à mesure, je repasse dans un boost. Et hop là, on peut faire des tricks, regardez, Indian Air. Alors, par exemple, je fais L2,
et on retombe dans l'eau, le combo qui est passé. On est déjà à la moitié du circuit. Ah non, non, pardon, c'est pas la moitié, on est juste la partie de gauche cadre par rapport à nous, hein. C'est pas par rapport à la progression sur le tracé. Bah, j'ai le tracé, mais... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'air d'avoir différents passages. On pouvait passer à la gauche, on était à la droite, mais... Alors, le maniement est ok, en vrai, ça passe. Ah, par contre, est-ce que j'aurai assez de vitesse? Non. Heureusement, non. Et du coup, elle est tombée du... jet ski. Allez, on passe à travers le portique ici. Alors c'est assez large hein, au niveau des circuits je trouve. On a quand même de quoi passer d'un endroit à un autre facilement. C'est vrai que l'eau est plutôt bien rendue, par contre les traces de passage, enfin les traces, les passages avec le ski sont pas super bien faites. L'eau est très très comment dire, très calme, pas beaucoup de vagues. Je sais pas où je vais aller par là, ouais. Ah ouais, là on a un boost qui est en orange. Je vais attendre un petit peu pour l'utiliser, comme ça on verra ce que ça donne quand il est à fond. Bah là il est là à fond. Allez, on est au max là. Boot. On est à combien? Ah, je reste bloqué à 74 km. Miles par heure, pardon. Je me sens bien que j'avais mis les kilomètres, mais c'est pas grave. Oh oui, ça passe. Ouh, c'était juste, mais on a réussi. Bah, j'utilise tout ce que j'ai, hein, tant qu'à faire. Oh, les pas mal. Est-ce qu'on va retomber dessus? Ah non, ça va pas passer. Et du coup, on retombe en dessous. J'espère qu'on peut passer par... On va passer par où, là, du coup? Attendez. Je suis censé passer par là. Ok, j'ai même pas vu là. J'ai même pas vu l'entrée. Oula, là, ça se réduit un petit peu. Alors, je peux changer la vue, avec le bouton triangle, donc là je peux avoir une vue un peu plus éloignée. J'ai raté le portique. En tout cas, il y a un peu plus de forfait. Oh là là, par contre, ouais, le maniement quand on est au ralenti, c'est compliqué. Je disais, on a deux vues, et on a une vue, en fait, c'est juste la vue proche ou la vue éloignée, ça s'arrête là, il n'y a pas plus. J'aurais bien aimé avoir une vue à embarquer complètement, ça aurait été cool. Là on l'a pas, du coup, parce que là, on sait très bien que la vue proche c'est la vue la plus spectaculaire en général, et dans ce genre de jeu ça aurait bien rendu. On va prendre ici. Olé ! Attendez, si je vais vers l'avant, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, vous avez vu, on peut incliner une gauche, enfin vers le haut ou vers le bas, se mettre en avant ou en arrière plutôt. Je sais pas si on gagne de la vitesse en se mettant vers le bas par exemple ici, j'ai pas l'impression. Et si je me mets vers l'avant, c'est pareil. Ah, les circuits sont super longs en fait. Attendez, si je prends vraiment le truc devant là. Non, ça va, on rebondit. Ça s'arrête là. Et on arrive sur la fin. Donc un petit tracé en quasiment 5 minutes. C'est plutôt long, mais c'est logique, puisque comme il n'y a qu'un... Comme il n'y a pas de tour, bah, il vaut mieux que le circuit soit long, sinon bah, on va vite faire le tour, quoi. Enfin on va vite terminer la course. Donc là j'ai fait un tour en 1:42, c'est pas mal apparemment, deuxième temps, ouais, donc ça a l'air ok. Bon, on va pas rentrer dans trop long, un peu la flemme en vrai. Alors done. Voilà. Et on peut faire restart level. Je vais mettre dans le main menu. Non. Ah oui, on va pas se regarder du coup. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un petit bug dans le menu, je sais pas si ça va se reproduire ou pas. Potentiellement oui. Je trouve qu'il a une tête de débile, le mec dans le fond d'écran là. Oh là là, mon dieu. Et je crois qu'en plus c'est le français, alors pour vous dire à quel point on me prend pour des cons. non, ça va, ça se passe bien cette fois-ci. On va faire start. Alors par contre, grosse déception, single event. En mode race. J'étais tout seul? On pouvait même pas avoir des IA? Ça me paraît bizarre. Alors ce que je propose, on va faire le mode Big Wave, voir ce que ça ressemble, et on fera un World Tour après. Ouais, un joueur.
Là, ils sont tous plus ou moins jeunes en vrai, je suis en train de regarder les âges, 27 ans. Karin Nielsen, on a fait Eva El Toro, on va faire du coup la deuxième fille, Karin Nielsen. Qui apparemment. Ah oui, j'ai pas vu les personnages au niveau des stats, mais aurait moins de balance, mais un peu plus de force. Elle serait un poil plus lourde, et en trick, on serait la même chose. Ok. Par contre, s'il vous plaît, dites-moi que je ne vais pas être seul à nouveau, parce que ça serait pas intéressant. Évidemment, on a rien débloqué. Ok, c'est parti. On va lancer la Big Wave. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça va être un tracé spécifique. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais est-ce que les trucs nous rajoutent du boost? Peut-être que oui. Et go! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, j'ai l'impression que le Big Wave, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un monde ouvert en fait, où on peut faire ce qu'on veut. On ressent un mode d'entraînement. Oh, la déception là d'un coup. Y a rien du tout en fait. C'est quoi ce bordel? Excusez-moi, je me suis un peu... Oh, il y a David là. On va se ramasser comme une patate, voilà. Et je retrouve dans le... Oui, donc on peut aller chercher quand même une petite vague. Ah, il y en a une belle. Olé, ça sert à rien. Parce que les vagues me font à peine sauter. Ah, il nous a sorti du niveau, ok. Ça a pas l'air fou, en vrai. Ouais, pas pour faire des tricks. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Est-ce qu'il faut rentrer dans la maison, par exemple, ici? J'essaie de prendre un peu de vitesse et on va essayer de sauter là. Le problème c'est que là j'ai pas eu tout mon boost, j'ai rien du tout. Allez, on y va, on va faire le tour. On va prendre ça, attention. Wahouhou, tu es la maison, c'est incroyable. Bon, ça c'était pas trop mal. Mais ça sert à rien en vrai. Ouais, je peux m'entraîner à faire de trick en fait, c'est tout, mais ça s'arrête là. Enfin, rien d'autre à faire. Bon, tant pis. On va faire start. Je vois pas l'intérêt de ce mode, honnêtement, à part s'entraîner un peu potentiellement. Ils auraient pu appeler ça le mode d'entraînement, c'était pareil. Moi, j'attendais un truc de fou. Hein. J'attendais par exemple à une course où on allait se faire poursuivre par une vague, un peu comme les avalanches dans 1080 snowboarding. Alors, absolument pas. Vraiment pas. Du coup, on va faire le World Tour. Vu qu'on n'a pas le choix, pour pouvoir faire des choses intéressantes. On a le mode évidemment avec le Tricks, mais j'imagine que ce sera pareil. Donc World Tour, on va faire New Player File, on va s'appeler... c'est pareil hein, de toute façon. Voilà, on va faire Done. On va prendre... Allez, Luc Lamouche. Regardez-moi comme il est beau. Oh, magnifique, au secours, s'il te plaît. Ça, c'est sûrement parce qu'on n'est pas là en Irak, hein. Moi je vous le dis. Hein. Allez, ils nous ont fait un perso dégueu. Bon. Allez, c'est parti pour le 6 stream en 9h qu'on n'a pas fait. Heureusement, j'avais bien fait de. Ah bah non, on a le choix, je suis bête. Ah non, on n'a pas le choix. On va commencer par le premier niveau. J'espère qu'on aura des concurrents. Sinon, ça va être un peu nul, quoi. Push down, then up, ça fait subdive. Push left, when right, then right. Barrel roll, ok, d'accord, ok. Donc si on fait gauche-droite, on fait un tonneau. Et si on fait haut et bas, on fait un subdive. Ah, bye, haut. Do you like crystal clear water, trout fishing, picturesque pine forests? If so, follow me, folks, into a nature lover's dream. This is Slipstream. Well, it was. Hydrodam, anyone? I love the smell of free electricity. Don't worry, those salmon will get upstream somehow. Right. Take a look at these rockin' redwoods. Could be the last time you see them. One deforestation nation, indivisible, with liberty and slick streams for all. Pay attention, kids, or you might be able to drink without a paddle. Lazy? Lazy what? Ah, enfin, on a Vitiro Kenji, Lia, Karine et Eva. C'est parti. Donc, combiné, c'est combiné track, enfin, en gros, c'est le temps plus les points.
Et il faut que je fasse plus de 20 points de saison pour continuer. Oui, il faut que j'avance aussi, ça ne sert pas ça. Ah, alors par contre, ça c'est très intéressant, regardez, on a derrière nous, derrière les IA, on a le donc l'eau qui s'écarte évidemment au passage de chaque... je sais plus le nom de l'engin, c'est pas grave. Et du coup... Voilà, le barrel roll, le micmac, et on est tombé dans le... Ouais, non, c'est bon, ça s'en est ressorti. Par contre, ça a pas pris les points. Ça a été en rouge. Donc j'ai perdu un peu de... Bah, j'ai rien fait, en fait, comme score. Ok, donc là, ça va être intéressant, parce qu'effectivement, ça nous impacte pas mal en soi, le fait d'avoir... Non, non. À chaque fois, j'essaie de faire un roll, mais ça marche pas. Bon, on va avoir un deuxième saut, peut-être que ça peut passer. Allez, un premier. Ok, 300 points, c'est bon. On a un petit truc, et effectivement, ça nous remonte légèrement la barre. Donc, on va pouvoir en profiter pour faire essayer peut-être des combos. Ça, on est deuxième. Ah, le petit tracé que ça fait au milieu là et qui nous impacte dans la trajectoire, c'est quand même sympa. Enfin, j'aurais jamais assez pour faire un. Oh, allez, on a réussi à passer. On se retrouve juste derrière le centre. Ça, c'est pas mal. Pas mal en vrai. Ok. En fait, il faut continuer le mouvement. Si on l'arrête, bah là, on est complètement fichu. On va passer par là. Je sais pas combien j'ai en score par rapport aux autres, enfin je sais que j'ai 1920, mais je ne sais pas à quoi ça correspond par rapport aux IA. Par contre, on a perdu pas mal de place là. Allez. Oh, il y avait le mur. Oh non, ça nous a écarté, tant pis. On va essayer le bas et haut, voir ce que ça donne. Là, on a encore un peu pris de la vitesse. Allez, do a barrel. Ah, mais ça marche pas. Non! Ouh là là, on s'est complètement viandé. Ouais, j'essaye un petit peu les touches derrière les sticks. Ouais, le knack-knack, on l'a vu. Knack-knack, cancan. Can-can, je sais pas comment ça s'appelle. Donc on est 6 hein, en tout. On est 4ème, c'est pas super, mais bon. Peut-être qu'en score, je vais m'en sortir par eux, je sais pas. Je pense que non, honnêtement, parce qu'on n'a pas fait une prestation extraordinaire. Alors, on peut pas frapper les opposants comme dans SSX. C'est quand même dommage. Moi, j'ai fait les deux en même temps. Oh non, il n'a pas pris, sérieux? Pourtant, on est bien retombé. Enfin, on est tombé sur le véhicule, quoi. On va quand même le retenter. Ah, oh, j'ai encore raté. Et là, il m'accepte. Là, il m'accepte. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Bon, est-ce qu'on va essayer peut-être de se concentrer à gagner la course, hein, parce que vu que j'ai l'air nul pour faire des tricks. Bon, alors, on va pas trop parler du jeu en termes techniques. L'eau est bien faite, ça je le répète. Les décors sont... Je précise, hein, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas à la fin de vie de la console, donc il y a encore une marge de progression. Mais je trouve le jeu plus joli que Splashdown, déjà, donc ça c'est quelque chose de gagné. Par contre, peut-être un peu triste en termes de... Ah, c'est une blague. Voilà, par contre, je sais même pas comment je fais pour être encore en vie, regardez-moi ça. Et je suis dernier, ouais, ça valait le coup. Ça valait vachement. On va faire que de la course, hein, tant pis. J'aime bien un petit peu les effets d'eau derrière nous, finalement. Ils sont pas si mal faits que ça. Surtout, ça a un vrai impact sur la trajectoire quand on est derrière. Les circuits sont longs, donc ça, c'est plutôt bien. Il y a pas mal de passages différents, donc ça c'est pareil, c'est double can-can, voilà. Double canette. Les IA, bon, pour l'instant c'est la première course, donc je pense que les IA elles sont à un niveau qui est assez bas. Ah si, quand même, on a quelques vagues dues au barrage à côté. Ouais, ça va, c'est pas mal. En vrai c'est assez fun, hein. Ça se voit peut-être pas, mais c'est quand même assez intéressant. Le maniement est quand même cool. C'est pas trop rigide, ça se manie bien. Oh, je manque vraiment de vitesse, là.
Non, ça c'est un bateau. Je crois que c'était un truc pour sauter, pas du tout. Putain, ça elle est où là? Alors, je garde un minimum de boost pour faire quelque chose, mais. Oh, c'est du rouge ça? Ah, yes, c'est vrai que ça nous rajoute du boost à fond. On va l'utiliser hein, pour essayer de rattraper, on arrive sur la fin. Ah, ça sera pas suffisant. On va quand même finir deuxième, c'est pas mal. Et c'est un nouveau record personnel. Impossible, je crois qu'elle dit ça. Hein. Alors, en termes de... Ah ouais, on est nul. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Alors, on a fait 17 points. 17 points. En termes de résultat final. Par contre, en termes de tricks, regardez, ils ont fait 21 000. Ce qui fait que j'ai même pas assez de points, je pense. 26 points. Donc l'avantage, c'est que je suis qualifié. Mais bon, c'est pas énorme. Par contre, j'aime beaucoup le fait de devoir lier les deux. Ça, c'est pas mal, parce que ça nous force à faire un petit peu des tricks à la fois et bien finir en même temps, donc ça rend la difficulté assez élevée. Et regardez, on a débloqué des points de carrière, donc on a deux points attribués. En vrai, je vais mettre ça à fond. Je vais mettre la vitesse à fond, parce que c'est ce qui nous manque. Et on va faire le prochain niveau. Donc, on va pas sauvegarder. Il me proposait de valider quand même, ce que je n'ai pas fait la première fois évidemment, donc ça n'a pas marché. Alors voilà, on va découvrir la deuxième course. Alors je ne sais absolument pas pourquoi ce jeu n'a pas eu de succès. En tout cas par rapport à Splashdown, parce que franchement, il est plutôt pas mal. Hein. Je dis pas que ce jeu de l'année, loin de là, faut se calmer. Mais il fait le boulot, quoi. Y a pas de truc éliminatoire. Y a pas de... Les graphismes sont corrects, le son est ok. Bon, les personnages qu'on aime ou on n'aime pas, il y en a quand même plusieurs, on peut en débloquer. Pareil pour les jet skis. Les circuits sont, pour le moment, plutôt sympas. On demande pas grand-chose de plus à ce style de jeu, honnêtement, donc... Voilà. Je pensais qu'on pourrait améliorer les véhicules. Le jet ski. Mais à part ça... Oui, c'est un petit peu dans les marais, c'est un peu triste, c'est un peu gris, c'est un peu terne, c'est dommage, on se sent pas trop en vacances. C'est le genre de jeu, typiquement, quand on y joue... mine de rien... jet ski, ça fait toujours été vacances, donc quand on est joué qui fait gris, je sais pas, c'est un petit peu dommage quoi. Allez, c'est parti, on va faire la deuxième course. Ouais, j'ai essayé de... Ah, quand on se met en arrière, on gagne de la vitesse. Ouh, c'est bon à savoir ça. Oh, allez. Ah, j'ai raté. Je voulais en profiter pour faire un tricks, mais ça n'a pas marché. Mais dis-leur, mais vous poussez, monsieur. Pas très très gentil. C'est très méchant de ne pas être gentil. Alors, on peut jouer aussi à la croix directionnelle. Hein, pour jouer forcément. Pas obligé forcément de jouer à l'analogue. Là, je joue à l'analogue, par contre. Allez, c'est parti. On va se prendre de la vitesse. Oh, il a fait un barrel avec un can-can en même temps. Voilà, on a enchaîné un combo X5... Masterclass. Oui, bref, peu importe. Allez, on prend un peu de vitesse. On va profiter d'avoir débloqué un peu de vitesse. Voilà, encore un peu ici. Oh my god! J'aime bien le rôle. Enfin, je sais pas pourquoi. Alors, ça sert à rien parce que je vais me cracher. Mais voilà, on a raté. Là, écoutez, on s'est retrouvé dans l'eau. Du coup, on a raté, je pense, un petit raccourci. Et on est dernier. Bon, ça arrive. Moi j'ai l'impression d'être un peu plus rapide qu'eux des fois, c'est assez étrange. Et là je le rattrape alors que j'ai même pas fait de boost. Faut que je mette vers l'arrière. Alors quand on se met à l'arrière, le petit problème, c'est un petit peu comme dans SSX en soi. C'est qu'effectivement, alors en SSX c'était différent, je crois qu'on se mettait vers l'avant. Ça nous permettait de gagner de la vitesse. Mais le fait d'être vers l'avant, on a moins de maniabilité, ça contourne moins bien. Vous voyez, on est dans les marécages. Honnêtement, c'est typiquement... Le jour où je tourne la vidéo, en plus, il fait pas beau, il pleut. Enfin, je vous dis, c'est déprimant, quoi. C'est déprimant.
à jouer uniquement dans le Sahel, hein, voilà, si vous voulez apprécier le jeu. Ah, j'ai raté le saut qui était sur le côté, c'est pas grave. Par exemple, là, je pense qu'il va y avoir un saut. Non, ouais. Non, ça ne sert à rien parce qu'on ne pourra pas faire de tricks en descendant. Là, on est 5e. Au niveau du score, on n'a pas fait grand chose. Pour l'instant, j'ai fait que dalle en score. Hein. C'est pas folichon. Là, on débloque un énorme boost. Mais ils sont où les autres? En fait, ils ont tous réussi à prendre le. Ils ont tous réussi à prendre le raccourci, quoi. Allez, là, on va essayer de faire un truc. Ouais, mais je tombe au milieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je peux jamais valider mon trick, c'est dommage. Là, par exemple, j'aurais dû valider le trick, parce qu'effectivement, je suis pas allé au bout du. Je suis tombé sur la pierre, mais je suis retombé droit, je suis pas. Mon perso s'est pas planté. C'est un peu dommage, quoi. Sinon, ça se passait par là, voilà. Hop. Encore à nouveau. Oh là, mon dieu. Et par contre, vous voyez, j'ai pas d'option pour pouvoir me remettre en ligne rapidement. Je voulais prendre absolument la barre, ça ne servait à rien. J'ai pas d'option pour remonter rapidement sur le jet ski, comme on pouvait avoir dans SSX, où on tapotait par exemple le bouton rond, si je dis pas de bêtises. J'ai encore fait un can-can, bon, c'est pareil. Tenter ça. Oh là, les points, j'en ai pas fait beaucoup. J'espère que la zone où j'étais tout à l'heure, c'était une zone où il y avait assez d'endroits pour faire des tricks, parce que s'il y avait à chaque fois des zones pour en faire, bah, j'arrive pas de les rattraper. J'ai raté. Alors, on va se mettre dans l'arrière pour gagner la vitesse. Yes, India, c'est passé. D'hier, c'est parfait, combo x5. On va essayer d'en profiter pour prendre la vitesse. Et on est déjà arrivé, on va être 4ème, c'est pas bon. Hein. On va être très très mauvais là, je pense, sur cette course. 4ème, on va pas manquer beaucoup de points. A voir au niveau des tricks, si on réussit à rentrer au moins dans le top 5, ça pourrait nous sauver. Very bad. Very bad. Non, fait exprès de mettre son goût dégueu. Ah ouais, du coup, on va faire 13 points. Ils ont fait 22 000 en points, mais regardez-moi ça, je suis combien hein? Bon, je suis qualifié, mais j'ai avant-dernier, quoi. Ah ouais, en score, j'ai fait 11 000. Bon, on connaît ce level. On va faire une dernière petite course. On a 33 minutes déjà de vidéo, je pense que ça sera un peu suffisant. Hein. Alors, vous avez compris, hein, vous faites à la fois un bon score et à la fois vous terminez premier, vous êtes devant les autres. Jusque la logique, le principe est respecté. Donc, à voir. À voir, on va voir le troisième tracé, j'espère qu'on l'a pas fait. Hyperion Gorge, on l'a pas fait, je dis pas de bêtises. Et c'est enfin un circuit à faire peut-être beau. Ouais, j'ai pas l'impression en vrai parce que d'un côté le ciel n'a pas l'air non plus très éclairé. Ouais, les chargements sont pas très rapides. Alors j'espère que le mode de joueur est jouable avec des IA aussi, parce que si on n'est pas contre des IA, bon, ça va couper le côté fait. Regardez, même là, alors certes on a plus de lumière, on a plus dans les canyons, ça a l'air bien. Par contre, regardez, dès qu'on en sort, ouais, c'est fin de journée. C'est un peu dommage, ouais. Je sais pas, un petit peu. En tout cas, il a l'air vraiment fun celui-là. Ouh, il a l'air compliqué surtout avec la rivière qui est vachement serrée avec les descentes en limite en rafting. Franchement, ça va être compliqué, c'est pas pour moi. On va essayer. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est cumulé. J'ai pas fait de super le départ. Je vais mettre en arrière, regardez, en arrière, paf, on passe de. Ouais, 70. C'est le max. Vraiment, je pourrais tout droit, j'ai choisi d'aller à droite, mais bon, c'est pas grave. On va quand même passer par là. Bon, on va essayer de se concentrer à faire des bons tricks. Je joue pas comme ça, par exemple. Oh là, je me suis tout pris. J'avais une chance sur deux de ne pas me prendre, je me suis tout pris. Ok, hop.
concentrant un minimum sur les trajectoires, bien sûr. Oh, attention, il y a un énorme rocher ici. Allez, encore une zone fin trick. Non, me sors pas, s'il te plaît. Ah, ça va, je l'ai pris quand même. Lui aussi, il a utilisé le boost. On va tenter de prendre l'intérieur. Je suis quand même assez rapide hein, par rapport à eux. Allez, c'est le moment ou jamais. Oh, j'ai fait un bicycle, mais ça va pas marcher. Parce que je retombe sur le rocher encore une fois. Aïe aïe aïe. Les trajectoires. En fait, il y a vraiment quasiment que ce genre d'endroit où on peut faire des trucs. Ouais, 456 points, c'est pas énorme. Oh, il me l'a pas pris. Je suis dégoûté. Je pense qu'il doit y avoir un trick sur deux qui passe pas en moyenne. Et là, je suis sûr qu'ils sont déjà à 8-9000 à côté. Alors, j'aimerais tenter des tricks, mais je les connais pas. Donc, bon. Je sais que le barrel, ça marche bien. Du coup, je fais ça à chaque fois. Ouais, on a validé un doute à 10 000. Oh, c'est beau ça! On est à 13 000 en score, c'est bien ça, je suis content. Je sais pas si le fait de valider deux fois le trick ça marche ou pas. On a pas mal de vitesse. Ah, je l'ai raté. Heureusement que j'ai pas utilisé tout mon boost. Oh, elle est compliquée cette zone. Allez, 3000, combo x2, ça fait 6000, on est à 20000, c'est pas mal. On sort un peu les doigts pour... On est dernier, par contre. J'ai vraiment perdu mon temps en faisant ma figure. On va prendre un peu de vitesse. Allez, ça va être compliqué. Vous voyez, n'empêche, les mouvements de l'eau, quand on est vraiment loin... Non, j'ai pas tenté de faire de tricks, là, j'ai vraiment tenté juste de prendre le raccourci, je pense. Et voilà, évidemment. Évidemment, on est tombé à côté. Alors du coup, on a pris un autre chemin. Alors là, il y a eu ce passage tout à l'heure dans le... Là, pardon, j'aurais peut-être pu faire un petit tricks, ce que je n'ai pas fait. J'arrive même pas à prendre les zones. Alors on va pas freiner aussi dans le jeu, j'ai oublié de le dire, mais bon, en même temps c'est pas logique. Et voilà, du coup je me suis repris le bord. On va arriver vers la fin. Alors il y a deux choix, je sais pas lequel va être le mieux. On va passer à droite, tiens. Ça peut être le mauvais choix, mais... Et ouais, je reste bloqué à 20 000 depuis tout à l'heure, j'ai rien réussi à faire. On va essayer de prendre la partie jaune là. On se met vers le bas pour une un peu de vitesse. Voilà, 5000 points. Oh là, au dernier moment en plus.
Allez, il faut tout donner. On va finir troisième, peut-être, je sais pas, voir derrière nous. Ok, on profite sur le podium, c'est pas mal, en termes de points, je pense. Par contre, ouais, sur les tricks, ouais, on en a trop raté, donc je pense qu'on va pas être bien placé. J'aimerais faire une entrée dans le top 5, même pas. Même pas, les autres sont à 36 000, regardez. Du coup, on a fait 72 points. Et là, on a échoué à nous qualifier, du coup, il faudra recommencer à nouveau. Bon, bah tant pis, écoutez, c'est pas grave. Hein. Pardon. 25 000 points, on avait fait, voilà. On n'a pas fini dernier, par contre, ça c'est bien, mais on n'était pas, pas dans le meilleur. Donc, il faut faire redémarrer le niveau si on veut passer à la suite. Bon, on le fera pas. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu? Alors, j'ai vraiment l'impression que ça manque de contenu. A voir, peut-être qu'après, si on débloque beaucoup de circuits, ça peut augmenter, mais j'ai un petit doute là-dessus. Le maniement, pas parfait, mais quand même très jouable. Honnêtement, ça se manie plutôt bien. Les collisions, bon, c'est pas fou. Le solo, un peu nul. Par contre, le World Tour est intéressant. J'aime bien le concept, effectivement, de cumul des points tricks et le fait de devoir terminer dans les meilleurs aussi au niveau de la course. Passer au niveau supérieur, ça c'est vraiment bien. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est un jeu qui est pas mal. Donc, qui est pas mal. Donc je le conseille pour ceux qui aiment bien ce style de jeu. Ça peut valoir le coup. On a d'autres jeux à tester d'ailleurs à ce niveau, hein, dans ce type de jeu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!